Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre. Donc décor un petit peu particulier, mais il y a une raison bien spéciale. C'est parce que j'ai cet énorme colis à ouvrir et que je voulais que vous puissiez tout voir un petit peu comme moi. Et c'était très compliqué de le faire dans mon autre décor. Avant que je commence à ouvrir ce swap, je vais vous parler du cadeau du jour puisque je vous ai encore gâté. Aujourd'hui, ce que vous avez à gagner, c'est Zip et Madame Samovar. Madame Samovar est en tirelire, Zip est une véritable tasse. Et vous avez le lot à gagner sur YouTube, donc je vous laisse découvrir ça dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, on est en mode swap sur la chaîne. L'année dernière, j'en avais fait avec ma copine Wapi. Cette année, c'est avec ma copine Mary Go Round, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas et à vous abonner à sa chaîne. Elle fait notamment des ouvertures de Tsum Tsum, des ouvertures de Booster. Elle présente sa collection de Funko Pop et j'aime beaucoup son naturel et tout, donc je vous recommande chaudement d'aller la voir et aussi d'aller voir sa vidéo pour découvrir ce que moi je suis offert, parce qu'honnêtement j'ai un peu craqué mon slip mais j'avais tellement envie de lui faire plaisir et j'ai hâte de découvrir ses réactions. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert le colis. Si vous faites partie des Pixie Chats donc sur Snapchat, vous savez à quel point il a été difficile pour moi de résister à l'envie de tout ouvrir. J'ai pas lu les inscriptions, j'ai pas lu la carte et c'était trop mignon parce que quand j'ai ouvert, il y avait vraiment tout un tas de petits flocons de neige. Je commence par la carte avec marqué Pixie Tubeuse. Vous pouvez vérifier ici, hein, j'ai rien ouvert. Alors, coucou ma belle Aurore, j'espère que ton colis est arrivé sans encombre. Je suis tellement contente de faire ce swap Disney de Noël avec toi. Un des bons côtés de YouTube, c'est ça, rencontrer des personnes formidables avec qui on peut partager sur une passion commune et même j'ai hâte de pouvoir te rencontrer. Bah moi aussi, très clairement. C'est une très très belle rencontre Mary Go Round et je suis vraiment très contente qu'on ait pu se connaître via le YouTube game. Pour les cadeaux, il n'y a pas de menu. J'ai fait pareil. Tout est écrit sur les paquets, comme ça tu choisis l'ordre d'ouverture. J'espère avoir bien choisi et ne pas te décevoir. Je pense pas honnêtement. Hein. Enjoy et joyeux Noël, gros bisous. PS1, je suis nulle en emballage de cadeaux. Oh bah ça va hein. Mais on s'en fiche de l'extérieur, ce qui compte c'est l'intérieur. Hein. On est bien d'accord. PS2, j'ai explosé le budget. Je pense que toi aussi, effectivement. Mais ça me faisait tellement plaisir de te gâter. Puis c'est difficile de choisir. On est d'accord. Et c'est trop mignon parce qu'elle a mis tout un tas de petits stickers, reine des neiges, tout ça. Ah oui, je tiens à vous préciser. Si vous détestez les vidéos, vous avez les youtubeuses qui s'extasient pour un tout et un rien, je vous conseille de quitter la vidéo tout de suite. Hein, parce que très honnêtement, je pense que je vais pousser des cris tout du long. Et voilà. Je vais pas faire d'ordre particulier. Je vais vraiment ouvrir... ce qui me tombe sous la main. Et le premier, c'est pas un cadeau pour moi, c'est un cadeau pour mon homme. Je pense que c'est à bouffer. Alors il faut savoir que mon chéri n'est pas extrêmement gourmand et que généralement c'est moi qui mange à la fin. Et il y a des petits flocons partout, c'est juste trop mignon. Ah, j'avais raison. Celebrate two times, come on. Celebration. Ce qui est bien avec les célébrations, c'est que vous avez vraiment tout ce que vous aimez dedans. C'est-à-dire genre, vous pouvez filer ceux que vous aimez à certains et ceux que vous aimez pas à d'autres. Je pense qu'il va beaucoup apprécier. Bah écoute, merci pour lui. Un autre pour Clochette. Bah décidément, c'est pas pour moi. Hein. Heureusement que je sais que tout le reste de la boîte est pour moi. Clochette, viens. Bah tiens, elle va pouvoir découvrir ça en live. C'est pour toi. C'est pour toi, oui. On a pensé à toi. Ah bah dis donc. Tiens, regarde-moi ça. T'es content? T'es content? Au poulet en plus. Nounouche. Elle en cherche s'il y en a d'autres. Eh oh, me mords pas les doigts. Ah, pour ceux qui me demandent comment va Clochette, bah comme vous pouvez le constater, elle va très bien. On ouvre la suite ensemble. Non, 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 mais cours pas après le paquet. Le prochain, c'est... Il vient de ma collection, car plus trouvable. Comme je sais qu'il te plaisait. Mais qu'est-ce que t'as été faire? Non, mais qu'est-ce que t'es partie m'acheter, meuf? Enfin, me donner, plutôt. Elle a une collection de malade mentale. Oh, non. Oh, non, mais t'es une tarée. Oh, c'est le set de Dingo et Max. Oh. Oh là 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 là, mais t'es une grande malade hein. Oh là là. Alors il faut savoir que j'adore Dingo et Max, ça a marqué toute mon enfance, je connais mes chansons par cœur. Et je lui avais dit que j'étais un petit peu jalouse de son set et tu m'as offert le tien. Bah écoute, je le garderai très précieusement, ça me rappelle des bons souvenirs, mais je suis trop contente genre, oh là là. Et puis le coffret est trop beau en plus. Hein, t'aimes bien? T'aimes bien toi aussi? Tu t'en fous hein. Elle est à la recherche des croquettes elle, hein. Ah, il est trop beau, merci. Oh, dis donc, si toute couverture c'est comme ça, je vais pas arrêter de crier, moi je vous le dis. Hein. Alors,
pour tes beaux articles. Pour mes beaux articles. Pour mes beaux articles, à ton avis, c'est quoi? Ah, c'est un cadeau cool apparemment, puisque tu lui fais des câlins. Même au toucher. Ah, mes beaux articles, c'est peut-être pour le blog, donc c'est peut-être un truc de papeterie. Ah, t'avais raison. Ah. Alors, il faut savoir qu'on s'est fait une wishlist sur Pinterest avec Marie Gourande, histoire de cerner un peu nos goûts. Et la meuf m'a acheté littéralement le set de stickers que j'avais repéré et que je trouve trop joli. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, ça va, hein. Elle a trouvé les croquettes et quand j'ai décidé qu'elle n'allait pas les manger, eh bien elle s'est barrée. Donc, comme je vous le disais, il y a le set de stickers que j'avais repéré. Il est trop beau, trop joli. Ils ont vraiment des trucs magnifiques sur le Disney Store japonais. Il y a un stylo clochette et du scrapbooking Alice. Mais ça, je vous montrerai ça de plus près. Celui-là, il est énorme. Deux pour le prix d'un parce que tu aimes cette fête. C'est un rapport avec... Ça, c'est forcément un cadeau de Noël, puisqu'elle sait à quel point j'aime Noël. Et en plus, t'es pas douée pour les cadeaux, mais c'est trop mignon hein, ce que t'as fait. Hein. Honnêtement, je me suis donnée aussi cette année. J'ai voulu faire un thème un peu Harry Potter, mais vous verrez ça dans sa vidéo à elle. Alors là, comme ça ne donne pas d'indice. Hein. Parce qu'il y a de la boîte, mais elle est vide. Enfin, elle est vide. Non, on voit rien. Carton, une pièce. Ça sent le produit de collection, par contre, ça. J'ai oublié de prendre des ciseaux. Ah, c'est bien, il s'ouvre tout seul, celui-là. Ah ouais, carrément dans du polystyrène. Mais qu'est-ce que t'as été m'acheter? Oh, des suspensions. Oh, j'adore ça. J'adore ça, sachez-le. Alors celle-ci, elle était vendue en France aussi. Mais t'es une grande malade parce que c'était à des prix de fou. Alors, oh, celle des Aristochats, mais quand je vous dis, je la veux depuis une éternité. Elle est trop belle. Oh là là, elle est magnifique. C'est quoi ce swap de malade mental, genre? Et il en reste plein dans le carton, hein. J'ai pas fini encore. Je me demande laquelle ça peut être, la deuxième. Parce qu'il y en a beaucoup qui me tapaient dans l'œil, pour être honnête. J'adore les suspensions de Noël, c'est genre toute ma vie. Surtout que moi j'ai du fil toute l'année. Je les mets pas dans le sapin. Ah, elle est sublime. Elle est magnifique. Je l'aime trop d'amour. Elle est sublimissime. Bon, je continue. Oh, tu m'as mais pourri gâtée. Oh là là. Et toi qui avais peur genre que ça me plaise pas, mais t'es sérieuse? Jusqu'au bout des ongles. Ah, ça c'est des nails là. C'est du nail patch, c'est sûr et certain. J'en ai pas vu en plus, je sais pas où t'as été chercher ça. Ah, attends. Oh, ils sont trop beaux. Oh, c'est du Alice au pays des merveilles. Je vous mettrai des close-up hein, de toute façon, mais waouh. J'en ai des faux de nez joli et tout, inspiration, mais du vrai comme ça, Disney, c'est juste sublime, trop beau. Waouh. Wow. Il y en a plein de tout petits, donc on va utiliser les tout petits avant d'aller sur les gros. Il paraît que tu aimes bien cet animal. Ça sent le truc chat. C'est en relief. C'est un truc chat. Après, qu'est-ce que c'est? Il paraît que tu aimes bien cet animal. Alors c'est notre nouvelle passion commune en plus, les pins. Mais waouh. En plus il y a Oliver, j'adore Oliver quoi. J'en tremble, je vous jure j'en tremble, mais t'es une grande malade. Non mais le swap de fou, t'as parfaitement cerné tous mes goûts. C'est un truc de fou. Mais Marie, mais t'es une folle. Waouh. J'ai même plus les mots, merci quoi. J'ose même plus continuer. Pour tenir compagnie à Bob et Sully. Donc Bob et Sully, ça doit être les stickers que j'ai là-bas, à moins que tu m'aies offert un autre cadeau monstre et compagnie. Et là, c'est tout mou. Ça sent le porte-clés peluche, je pense. Non, je sais. Non, je sais. T'as pas fait ça. Tu m'as pas offert Bou en Tsum Tsum. Il faut savoir que Bob et Sully, je les ai dans ma collection Tsum Tsum, mais j'ai toujours cherché Boo. Alors Bob et Sully sont des faux en plus que j'ai acheté sur AliExpress. Et je sais que Boo est sur le Disney Store japonais et je la cherche depuis une éternité. Ah bah si, c'est ça. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop chou.
Alors je sais, je déteste les swaps comme ça où les youtubeuses s'extasient, mais c'est pas possible, c'est trop beau. Enfin, c'est genre un swap de malade. Vous me direz dans les commentaires si vous auriez eu la même réaction que moi, mais franchement, je peux pas rester impassible face à tout ça. Même Clochette réagit. Il n'y a pas de nœud. C'est un bijou Mickey, il n'y a pas le nœud pour Minnie. Parce que bah tout le monde sait, enfin si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'aime pas Minnie quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les derniers du carton. Et je vais virer le carton avec tous les emballages, parce qu'il commence à en avoir beaucoup. Avec tous les flocons. Je pense savoir ce que c'est celui-là, mais je vais terminer par celui-ci. Il en reste donc 4 à ouvrir. Et j'étais sûre, il n'y a pas de nœud. Mais je vous dis, ça sent le bijou et je pense que c'est un bijou Mickey sans référence à Minnie. On va voir si j'ai raison. Oh, il est rigolo! Ah, j'aime bien. Il est sympa. J'aime bien, il est en relief et tout. En plus, on se voit à travers. Bouh, coucou, moi. Ça détend. Serait-ce une boule anti-stress? En tout cas, c'est tout mou touché. Heureusement, parce que sinon, j'aurais déjà détruit le truc. J'aime tellement Moshi, c'est genre un de mes chats préférés Disney. Il est trop beau. Oh là là. Bon déjà j'aime trop sa matière et en plus de ça il s'attache. Il est trop chou. À glisser dans le sac. Qu'est-ce que ça peut être? Alors ça peut être une pochette, ça peut être un porte-monnaie. Je parierais plus sur le porte-monnaie. Mais genre c'est une grande malade cette fille. Qu'est-ce que c'est que tous ces cadeaux? T'es folle. Ah, vous avez raison. Ah, beaucoup Warm Tuesday. Oh, il est trop beau, Monday to Friday. J'adore les nouveaux héros en plus. Il est trop beau, trop original. Enfin, c'est vraiment le genre d'item que tu trouves pas en France, quoi. Trop joli. Je mets au défi ta créativité. PS, la boîte a pris cher lors du premier envoi. Je mets au défi ta créativité. Est-ce que c'est un truc... Est-ce que tu m'as acheté la boîte là-haut sur laquelle j'ai flashé pendant ton ouverture sur ta chaîne? C'est bien possible. Je pense que c'est ça. Et j'avais prévu de me le prendre d'ailleurs suite à ta vidéo. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors je sais pas ce que c'est là comme ça, mais... Oh! Un produit coco. Mais je l'avais jamais vu celui-là. C'est pour faire en alébriret. Oh, j'adore. Alors, si vous n'avez pas vu Coco, et franchement c'est un crime d'être sur cette vidéo et de me regarder moi et de ne pas avoir été voir ce film, en fait Dante c'est l'un des personnages principaux du film et il y a un moment où il est tout coloré et en fait là vous avez les stylos pour le mettre à votre image. C'est une trop bonne idée, j'aime trop. Et ça par contre c'est pas vendu en France, hein, ça je suis sûre. Ou si c'est pas vendu en France, en tout cas c'est pas vendu sur le Disney Store et à Disneyland Paris. Génial. Il est génial, j'ai pas d'autres mots. J'aime trop. Et il reste le dernier, et le dernier je sais ce que c'est. Dans ma wishlist, j'avais mis un sac à dos que j'avais repéré et sur lequel j'ai complètement flashé du Disney japonais. Alors j'en ai pas mis qu'un, j'ai dû le mettre en 5 coloris le truc. Donc du coup ça fait un petit suspense, mais vu la forme je pense que c'est ça. Et il y a marqué comment ne pas craquer pour cette collection. Donc oui je pense que c'est ça. Même au toucher, je pense que c'est ça. Et c'est le dernier cadeau du soir. Oh, oh là là, oh, comme il est beau. Oh, wow. Et comme vous pouvez le voir, c'est incrusté ici, La Belle et la Bête. Et la qualité, elle est ouf. Et j'aime bien parce que c'est hyper discret, mais en même temps, c'est du Disney. Et j'ai pas de grand sac à dos comme ça. Il a une armature et tout. Et même à l'intérieur, c'est La Belle et la Bête. Enfin, je vous montrerai ça en close-up, mais c'est un truc de fou. Et je pense que vous pouvez vraiment mettre pas mal dedans. Et waouh, il est sublimissime, quoi. Non, vraiment, une beauté. J'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser sur les parcs Disney et tout. Ça va être juste trop génial, quoi. Waouh. Bah écoute, Marie, tu m'as juste pourri gâtée. Un énorme merci à toi. Enfin, waouh. Tous ces items, tous ces objets, ça me va juste droit au cœur. On sent que...
bah tu me connais bien et puis bah j'espère vraiment que tes cadeaux te plairont. Moi aussi j'ai vraiment craqué mon slip. Voilà ma Pixie Army, bah sur ce je vous laisse. N'oubliez pas d'aller participer au concours si ça vous tente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce swap. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et encore un immense merci Marie.